Bonsoir, bonjour encore une fois, bienvenue sur TV La Caille. Nous comptons rejoindre nous pour une nouvelle vidéo. Et nous avons profité de remercier avant même nous entrer dans la vidéo. Et tous les amis, nous avons toujours fait comme d'habitude, chaque jour, bon Dieu, mettez, et bien nous toujours prenons le temps, le soin pour nous remercier tout le monde qui est connecté sur TV La Caille, tout ce là-haut, qui n'a pas jamais lagué nous, qui toujours été bon côté nous, et comme grand canal qui l'a pour informer sur l'actualité. Et ça qui a passé dans le pays d'Haïti, je vous dis à mesdames et messieurs, by répugnance, ça qui a passé dans le pays ça, par les gens qui ont envie pour être vivre Haïti, mes amis, bagayou dégénéré, bagayou décontrôlé. Et bien, je vous dis à là, donc la police est débarquée dans le local SPNH 17 là, à côté, il y a une conférence de presse et sortant de là, je vous dis à là, il y a un gros tour qui a fait autour du palais national. Et bien, la police est débarquée, donc non. Local ça et nous allons inviter une réponse qui donc porte-parole SPNH 17 là qui monsieur c'est Sensi qui monsieur Voé donc by DG Léon Charles qui monsieur estimé qui va prendre un sérieux dans tête police ça c'est une raison qui fait nèg yo pas vle et bien syndical et même li jeune place li dedans et PNH là et c'est ça qui fait tout et divers nèg dedans fantôme section 9 mêlé avec SPNH 17 a tombé en bas les notes, et bien, je dis à la, monsieur, vous un message là très clair, by DG Léon Charles, tout président Jovenel Moïse, et puis ministre de Justice, en tout, Rockefeller Vincent, et bien, et donc, bah, vraiment dégénéré, mesdames et messieurs, on dit que c'est la guerre qui va le gagner, donc, SPNH Bhopal a fait répression, donc, PNH pour Bhopal encore, bon, si on a notre tête chargée, nous allons inviter au bien détaillé, ou pour l'écouter, donc, porte-parole, donc, SPNH 17 là qui va finalement, et dis-nous qui ça, et bien, livre comme message by DG Léon Charles. Vous êtes connecté sur toute vidéo pour ne pas rater un rien dans sa quoi dire. N'approche nous bientôt dans une prochaine vidéo. En général, nous saluons tous les policiers, toutes organisations, toutes instances qui bataillent pour le droit de l'homme, respecter, pour le droit syndicaliste, pas continuer à piétiner. Nous saluons la société civile là. Yo même qui croient dans progrès et changement. Nous saluons également toute structure qui a bataillé, qui a boumé ou qui a gagné dans l'autre Haïti. SPNH 17 salue la population dans toute intégralité. Communauté internationale là, qui investit pendant près de 26 ans en dans institution pour nous capables de gagner une police de qualité. SPNH 17 là, saluer mémoire policiers qui tombaient et surtout policiers qui étaient sacrifiés 12 mars. Une date que nous ne pouvons jamais oublier. Nous avons envoyé un petit mot pour la famille policiers, pour madame, un mot qui est vraiment spécial, pour petit, pour la famille, pour les amis. Pour nous dire, SPNH 17, pas d'accord, pas accepter que sans ça, sans policier ça yo qui te coulé, dans le drame ça, de coulé pour grand ici. Je mets point dans nous, je mets point dans la bataille. SPNH 17 a rappelé tout le monde qui est dans le pays que yo qu'on fait un paquet de bonnes batailles. Que il nous a un paquet de bonnes histoires que nous-mêmes nous faisons en Haïti. Dans l'histoire qui est plus récente, c'est la bataille que nous faisons pour que nous soyons capables d'instaurer la démocratie en Haïti. Et nous avons fait nous connaître que la démocratie, ça, les charriers, un paquet de bonnes bagailles derrière. Donc, la liberté individuelle, le droit d'association, la liberté syndicale, et j'en passe. Ce sont des droits fondamentaux et inaliénables qui caractérisent la démocratie. SPNH 17 a demandé qui ça qui empêchait que l'administration policière n'est pas capable démocratique. Qui ça qui fait que SPNH 17 l'a subi toute répression sérieuse. Et si nous t'avons tiré à l'aller, n'a pas que
dernièrement là, il y a deux bagailles qui a passé dans SPNH 17 là, qui est que jusqu'à présent qui a passé nous là, qui prouve à clair que c'est répression qui a fait sur nous, que roi état-major là et consort, il n'y a pas rien vraiment que y a reproché nous, c'est juste il y a des problèmes avec structure syndicale là. Ils n'ont pas voulu accepter dans la fonction publique là, une structure syndicale. Ils n'ont pas voulu accepter dans la fonction publique policière là, qui sont fonctions publiques. Ils n'ont pas voulu accepter gagner une structure syndicale là. C'est ça qui fait que vous voyez, il y a fait toutes sortes de répressions. Nous gardons nos démarches que vous devez, pour vous capable d'arrêter l'ancien porte-parole, nous, à Belson Gonègue. Côté que les policiers, ou bien capable de dire des hommes en uniforme, dans une machine sans plaque, aller la caille, yo prend, y aller avec lui. Yo pas passer en gen côté avec lui directement dans le pénitencier ensemble avec lui. Et deuxièmement, nous ouais également que gagner encore des hommes en uniforme que yo utiliser parce que nous pas qu'à accepter en dedans structure SPNH 17 là que c'est des policiers véritablement qui a fait action ça yo. Parce que nous connaissons les policiers yo, lorsque yo t'es académie, yo t'es apprend yo pour agir selon sa la loi lui-même lui mandé. Yo gagné comme boussole la loi. Les actions que nous avons faites là, c'est pas des actions qui carrent avec la loi, c'est pas bagaille qui chita sur des principes qui vont construire une société. C'est ça que nous avons demandé. Est-ce que c'est effectivement des policiers qui font genre de bagaille ça yo? Donc qui rentrent dans la cour caisse genou. Jean Elder le dit. Yo entré dans la cour, yo saccagé la cour. Tout ça aujourd'hui là avec y compris machine SPNH 17 là que yo cassé vite là yo ouvert porte là yo prend yo traîné y a la fait bagaille ça yo c'est des séries de bagaille qui pas chita sous aucun principe qui pas chita sous la loi nous pas qu'à croire que c'est policier qui fait yo. Donc nous avons tout profité dire que la presse et population en tout que si nous une machine ça dans la rue li a fait une action ou bien pas connaît li yon côté à fond bagaille c'est pas membre syndicat qui la donne. Ce n'est pas membre syndicat qui a fait, c'est l'autre monde qui est qui la donne. Parce que yo prend machine là, j'en reprends l'homme, par contre, qui j'en décarré l'elle, si c'est vol, qui j'en décarré l'elle, comme nous avons un avocat là qui va faire des points de loi, qui j'en reprends les bagages ça yo. Donc, nous ne pouvons pas chercher explication pour nous faire avec lui, nous ne pouvons pas joindre. Yo prend, y a là avec lui, pour nous aller sous, il pas nommer nous encore, il pas à disposition nous encore, si nous sommes dans la rue, ce n'est pas nous-mêmes qui mettons dans la rue. Nous faisons suite avec. Et tous les deux avocats nous ont mis Mami. Et si vous ne comprenez pas que la bataille, ça, nous avons un abdil. C'est la bataille de la police, nous la population de l'ordre. Mais la presse là, c'est l'autre zèle, plus joint que lié. La profite a attiré attention nous, sous présence, Métanel, Rémi, qui avait vous matin pour la première fois, nous avons visé ça là. Comme nous disons déjà, bataille SPNH, ce n'est pas bataille. Ce n'est pas bataille SPNH, ce n'est pas bataille policier seulement lié, mais c'est bataille population. Nous voyons déjà, nous mettons en démission qui est avec nous. Ce qui a passé là dans le pays, il regarde Métanel, il regarde Barou Province, tout le barou dans le pays, il regarde nous tous les journalistes. C'est-à-dire que la patrie est en danger, nous embrassons tous les amis qui voulaient marcher ensemble avec nous. C'est-à-dire que Métanel Rémi, il rejoint l'équipe, il est avec nous, bien qu'il était toujours qu'on accompagne nous déjà. Mais au moins, visiblement, nous allons le dire. Je ne vais pas nous demander même après. Et à chacun son métier, à chaque secteur son boulot. Toute société aspire à une gestion sociale. Toute société aspire à une gestion sociale. Si nous prenons l'église, côté spirituel, c'est pâle, côté moral, c'est pâle, côté humanitaire, c'est pâle. À chacun son métier. Si nous prenons personnel de la santé, il est là pour assurer la santé de la population. Si nous prenons la presse est là pour l'informer, pour le former, pour être capable d'orienter la société à un développement. La police lui-même, etc., la police lui-même est là pour assurer l'ordre. Et pour ce faire, il va falloir que la police débarrasse de toute ingérence politique surtout, de toute ingérence politique. Et sciences humaines, ce n'est pas moins dire, sciences humaines dit, pour nous débarrasser, il va falloir que nous ayons un syndicat. Et c'est ça que fait la loi, même la Convention internationale,
yo ba nou espace pour nous capable créer un syndicat pour nous capable assurer autonomie force ça parce que force ça ordinairement sont force qui toujours convoitée par la politique. Alors mais dans qui contexte nous t'ai créé SPN 17 dans local ça nous disons ça déjà local ça son espace de réflexion nous pas réfléchir sur affaires événements nous pas tuer monde. D'ailleurs, nous pouvons dire que nous représentons la partie saine de la police nationale d'Haïti. Là, c'est un espace de débat, échange, pour nous comprendre comment on a fait pour nous aborder les problèmes de la société. Et comme nous connaissons déjà, pas besoin de relater toute persécution que nous subissons depuis la création de la, du SPNH, tout tintin qui passe nous là, nous pas besoin de relater. Mais nous disons, dernier de l'eau, goutte d'eau qui tombe dans le vase là, qui fait qu'on y a enragé, qu'on déchaîné qu'on y a là, c'est par le fait que il y a deux déclarations qui font, ces deux points sont absolument pour nous, c'est eux-mêmes qui font tout virement ça qu'a fait là. Il y a par le fait que c'est genou, coordonnateur général, il était annoncé à la presse que il y a un all black. Mais n'a profité pour faire direction générale connaît que All Black là sans danser ou sorti c'est inspecteur même qui sont au cadre de la police qui te dit qui te ouais yon équipe nèg à maillot noir c'est pas nous qui t'ai inventé nous t'a cherché pour nous salier c'est ça que nous vient connaît que c'est All Black me répéter moi même c'est ça que nous enrager. Deuxième bagage qui fait que nous m'en enragé là, c'est par le fait que nous te demandé, nous te sorti, nous disons faire sitting, pour nous réclamer cadavre, confrère nous qui mourit, monsieur Swat qui mourit, que nous négligeons cadavre. Mes amis, ça sont logique. Si toutefois, nous comme exemple, population assistée, la presse ou elle, côté que y a deux Dominicains qui étaient l'autre bois, étant donné qu'il y a une volonté, il y a une velléité pour aller chercher Dominique, il y a le chercher sans casse, il y a avec lui. Nous songez, madame gros chef, palais national, il te prend, avec qui humour, il t'a cherché madame ça. Nous croyons que les policiers ont capté le pays, ce n'est pas voler, pas non voler, nous croyons que nous-mêmes, nous avons droit, comme syndicat, qui est là pour la défense des droits des policiers, nous là, nous t'a demandé. Il n'y a qu'à passer par le même couloir ça tout pour te chercher cadavre pour frère nous. C'est ça lié. C'est deux bagages qui font un monde enragé là. Ou on finit enragé. De toutes les façons, on a fini pour, en tant que spécialiste à la matière, nous s'appeler la sécurité et la stabilité d'une nation. Parce que moi, faire étude ça à un autre niveau. Population haïtienne, on a dit tout pour nous. Nous tendons dans la presse. Nous tendons tout pour nous qu'on réagir. Mais bon bagage oublié, les États-Unis pas sorti pour faire rien pour nous. Depuis 1915, les États-Unis souterrains ça là, c'est mal à faire nous. Les États-Unis pas fait nous rien qui bon. Regardez pour nous voir comment les États-Unis a évolué. Moi-même qui suis relationné sans chef du service d'intelligence national, m'a fait nous connaître que les États-Unis depuis 1996, ils schématisent échec ça à nous là. Et bien longtemps, je dis ça dans la radio, les États-Unis pas un pays pour nous penser sur lui. Plutôt nous penser à tout notre côté. Excusez la profession, plutôt nous penser à la latrine, plutôt nous penser à les États-Unis. Par le fait que nous connaissons au moins la latrine capote qu'on bosse pour nous, peut-être capote fumier pour nous, mais les États-Unis pas rien sérieux la côté pour nous. C'est moi-même qui dis. Alors, la passe et par contre nous, mettre en arrière, oui, peut-être qu'il faut commenter pour les droits et sous situation, policiers nous gagnent, qui a vidéo chez elle, et puis policiers nous gagnent, qui peut-être qu'on est à couvert. Et nous-mêmes, service juridique, organisation, nous avons des policiers qui ont été à couvert. Mesdames et messieurs, là avec nous, la presse ne pas comprendre que la bataille, ça, nous avons un abdil, c'est pas bataille la police, c'est la population de l'autre. Mais la presse là, c'est notre zèle, toujours que lié. La profite attire attention nous, sous présence, maintenant, Réunie qui est avec vous maintenant pour la première fois, nous voyons visage ça là.
comme nous disons déjà, bataille SPNH, ce n'est pas bataille. Ce n'est pas bataille SPNH, ce n'est pas bataille policier seulement lié, mais c'est bataille population. Nous voyons déjà, nous nous mettons des Michel qui sont avec nous. Ça va passer là dans le pays, il y a des Médanel, il y a des Baou Province, tout le dans le pays, il y a des nous tous journalistes. Toutes caméras supposées étaient ouvertes jusqu'à ce que le dernier monde ait quitté l'espace, parce que répression, intimidation que le pouvoir, que Léon Charles voulait faire là, la population, le monde entier supposé ouais ça. Ma ville là matin, j'ai été invité par M. Manier et M. Domon à rejoindre la batterie d'avocats qui assure la défense de ces policiers. Des policiers qui malheureusement sont obligés de se mettre à couvert pour protéger leur personne. Moi, je m'en dis comme avocat. J'ai rejoint cette équipe parce que j'estime que la bataille qu'ils ont menée, c'est une bataille qui va concerner tous les policiers. Monsieur Brio, monsieur qui n'a blindé, monsieur Mabdi Noval, nous rencontrons avec un inspecteur de police. Abelson Gonek dans le pénitentiaire. Il dit Abelson Gonek fait le profit d'un paquet de bagailles. C'est contre cœur la mettre dans la prison. M'a répété, monsieur Brio, monsieur qui a arrêté, qui pensait que pas venir arrêter les policiers, monsieur qui pensait que pas faire exaction sur les policiers. M'a dit ça, monsieur. Réfléchis mille et une fois, parce que bataille ça qu'a fait là. Même le manipulo, mais connaît que vous bénéficiez de lui, parce que si qu'à toi, une augmentation, vous passez mec fait la dingue. Et moi, m'a dit, jamais, au grand jamais, nous ne laisserons pas intimider par deux blindés. Vous comprenez, Dieu merci. Bon, m'a dit ça matin, Dieu merci. Parce que vu le kidnapping qui bat son blind, l'organe blindé, l'organe bri, son bas était chargé. Il a dit, nous sommes importants. Il a dit, ouais, blindé, ouais, bri, vin ban bako. Vin ban met ma di bako. Vous comprenez, c'est bien. Mais pour ça, monsieur Sopal permet que mon village de Dieu, mon grand avenue, Alchitan, dans grand avenue pour savoir un peu placé. Moi, je m'en dis, mais Ardel Rémy a rejoint cette équipe, c'est parce que je connais pas de rien qui est arrivé là. Au contraire, il n'y a pas supposé faire ça. Il y a une heure de temps, si il y a une heure de temps, deux heures de temps, il y a trop de temps. Il était supposé en 30 ans, vivre violer ce passe-là, vivre faire exaction, et puis pour le monde entier comprendre, et puis pour mettre joute. Et pas pour mettre Léon Charles en situation difficile et pourquoi pas mettre la population en fastidie. Moi, je parlais avec Abelson Gonek. Nous sommes dans la prison hier, cadeau avec tout SPNH, nous sommes dans la prison. Et il faut que nous sachions que le policier crie. Mon policier, c'est mon compère Abelson, il crie. Un policier qui crie parce que ça fait le mal. Sœur Abelson crie. Mais Abelson dit au peuple un message, journaliste sociaux. Il bon mon message ba nous, fait photo. Nous ka fait photo. Abelson écrit. Il est en train d'écrire son histoire à la prison civile de Boris. C'est quelqu'un qui dispose d'une morale assez forte. Il faut. M'a dit rencontré lié parté et m'a dit même message directeur prison dit. Directeur prison dit c'est un type pour qui il a beaucoup de respect. Il a fait tout ça capable pour bien traiter. C'est le message que m'a demandé à Abelson de vous prodiguer, de vous véhiculer. Li bien, yo pas maltraité l, ou ça me dit, au contraire, policier yo fait quête, yo fait le joint cob, jusqu'à présent ça va pour lui. Mais message là, nous avons fait photo message là, Abelson dit, peuple haïtien, c'est bon que policier pour nous. Parce que répression ça qu'a fait là, n'est pas possible. Nous ne sommes plus à une époque de la barbarie. Je ne parle pas d'époque dictatoriale pour ma vie, pour ma carrière. Qu'est-ce que ça fait là? Léon Charles est en train de montrer, de confirmer la dictature de Jovenel. Débrouiller nos situations côté liberté d'expression menacée, dans la dictature. Débrouiller nos situations côté blindé, bri, bramba, on est salé, chat blindé, chat iso, qu'est-ce que ça c'est chat iso qui est acheté, qui devant là. Nous, nos situations difficiles. Et nous même au niveau de la batterie d'avocats qui assure la défense d'Abelson Gonek pour nous dire bien que c'est la même action que nous avons intenté, même action de faire pour prisonner Petit Bois. Son action en habeas corpus, puisque nous connaissons tribunal fermé, puisque nous connaissons accès à tribunal à difficile et la presse. Maintenant, nous faire ça. Permettez-moi d'adresser le conseil avec nous. Parce que nous, c'est oreilles.
nous permettre de lancer un pile message et tout message qui va là, s'il vous plaît, prenez le soin dans l'édition journal, véhiculez le message ça. Dit que les policiers en danger, SPNH surtout en danger, et on dit chaque citoyen dans le pays en danger parce que le droit pour le tribunal pas respecté. Moi, le tribunal avocat, c'est l'armée qui a demandé d'identifier. Vous entendez bien, oui? Un avocat au barreau de Port-au-Prince qui sera en son lieu de travail est questionné par les forces de l'ordre et l'armée d'Haïti. C'est grave. Si nous ne levons pas le campi, si nous ne demandons pas de retirer le tribunal là, nous-mêmes journalistes, les arrêtés, nous tous, nous crié. Si nous ne demandons pas de population relâmée pour justice qui a fonctionné, pour nous-mêmes comme avocats qui travaillent, nous ne pas crier tout. Si arrêtons monde pour nous là, pas de la guerre, nous. Moi, je viens de la prison, je viens de deux ambulances qui sont de prison, je suis tombé comme ça. Pour le monde comme ça, là, pas de tribunal, pas de justice, et puis la mouité bonne de prison, est-ce que ça va bien? On a fini pour me dire que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre à Abelson Bonnec de recouvrir sa liberté. Et tout le monde qui est en cavalier tout, nous avons un habeas corpus préventif pendant que nous intentons. Vous comprenez bien? Depuis que le mandat d'ailleurs, vous sentez liberté menacée, la loi a une possibilité pour faire action ça parce que le tribunal fermé. C'est la seule action qu'a fait le tribunal. Seule action ça, habeas corpus. Et moi, je m'a dit, je m'a dit encore, tout peuple haïtien, campé beaucoup d'SPNH. Tout peuple haïtien, camper beaucoup de bataille avocat ça, mais Arnel Rémy avec tout notre avocat qui a assuré défense et policier au SPNH 17. Tout policier qui comprend nécessité bataille SPNH 17 là. Moi dans ce message ça avec nous. Réfléchis mille fois parce que Jovenel ne sera pas là pour toujours et SPNH a perduré et il continuera à se battre pour les intérêts des policiers. Mais pourquoi il veut un commissariat grand et grandesse pour être son matelas en police abdomen, pinaise oui. Ou pourquoi arriver quand on toilette en police à toilette? Senti oui. Ou pourquoi arriver là dans le commissariat pour vous faire un cœur plein? Maintenant pour SPNH à bataille pour travailler ça, pour Léon Charles, pas même un culot pour la 26 vidéo. Moi même comme avocat nous dit ça, moi je m'appelle dire que nous sommes chrétiens. Nous croyons que bon, bon Dieu existe. Nous connaissons notre travail, nous connaissons notre capacité, nous connaissons chaque monde qui est là, et nous connaissons tous les journalistes. Je le réitère, je réitère pour dire que Arnel Rémy rejoint une batterie d'avocats. Et nous avons fait tout ça dans le pouvoir nous, pour nous permettre que le monde soit rejoint une libération. Nous avons fait tout ça dans le pouvoir nous, pour justice qui a fonctionné libre. Nous avons fait tout ça dans le pouvoir nous, pour que la dictature ne pas retourner encore. Parce que nous ne sommes plus à l'époque du valériste. Nous sommes à l'époque où l'on promeut l'état de droit. Vive l'état de droit, vive le respect des libertés individuelles. On va couvrir, mais puis on va comment faire passer la matière. Quoi faire capitaine, vous qui veut quoi faire? Tout ce qu'on a fait là, c'est ma grippe. Pas de rien qui arrive là. L'autre dit quoi faire capitaine là. Léon Charles connaît bien ce qu'on a fait là, son tentative d'intimidation. Et il est vraiment important pour comprendre que ça qu'on a fait là, son violation de liberté individuelle. Son violation doit mourir. L'on vient avec un problème de là, psychologiquement, on a besoin de dire, pas faire ça. Faire là. Moi, mettre Léon Charles en défi, moi-même comme avocat, mettez-le en défi pour ouvrir le cheveu de ta sortie dans tête. Vous avez dit, c'est ce qu'on fait, on dit une corvée. Elle dit, c'est qu'il y a gaz, bruit qui a fait tapage. Moi, au côté, il n'y a pas ça pour faire, non, et Fabien, c'est bien, on est en train de faire. Il pas ça pour faire. En train de violer le domicile, là, était net. Mais vin de, au contraire, bien content, il y a bonne sécurité, il va les kidnapper. Vous comprenez? Vous êtes en train de donner l'église au kidnapper. Si vous mettez un chablin de ça devant chaque de l'église, au moins, pasteur Dalus, pour ta victime de kidnapper, non? Moi, je m'a dit encore, je mets Léon Charles au défi pour procéder à l'arrestation, pour montrer qu'il peut chauffer. Parce que nous, notre pays, c'est état de droit, c'est liberté individuelle, c'est droits humains, n'a fait promotion. Donc, venez là avec un blindé. Mettez pas comme pour l'ambagé volé, l'ambagé gang, mais criminel là. Et pas gang là, et pas village de Dieu là. Yo qu'on compte plus à mettre. Intimidation qu'a fait. Elle dit psychologiquement, ils veulent tuer le mouvement de ces policiers.
m'a dit comme avocat, jamais, au grand jamais, les policiers de la SPNH ne se laisseront intimider par de tels malheurs. Moi, je me dis ça, je me dis encore. Si les gens ont tapé à votre disposition 30 ans, ils m'ont défié 30 ans. Merci.